Le tourisme fluvial idéal pour se couper du monde, c'est assez tentant en ce moment. Embarquement en Nouvelle-Aquitaine avec Antoine Hollard et Quentin Trégaudet. C'est bon derrière, Lorenzo ? Il largue les amarres pour des vacances au fil de l'eau. Cet été, Guido a décidé d'emmener sa famille en croisière sur la Charente. À partir du moment qu'on monte à bord, on est en vacances. C'est génial, les enfants, ils suivent la carte. Et on va à 8 km, donc c'est tranquille. Des vacances en pleine nature. La famille est seule au monde. Je porte le masque toute la journée au travail, donc j'avais aucunement envie de passer ma semaine de vacances avec le masque sur les figures, pour être franche. J'avais envie de calme. Surtout pas de foule, donc là, ça fait une mise au vert. Pendant une semaine, ils vont vivre en autarcie. Oui, on a un grand frigo, 180 litres, même un four, 4 gazonnières. Tarif moyen, 2500 euros. Le prix pour un séjour loin du Covid. Et vraiment, cette année, on s'est dit, bon, on ne prend pas de risque, on reste avec notre petit cocon. Et en fait, c'est un grand caravane flottant. Même chose à l'heure de la pause. Pas besoin de se soucier de la distanciation sociale. C'est une piscine gigantesque privée, oui, en effet. On ne croise pas trop de monde, donc aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'il faut privilégier. Cet été, ces bateaux sont permis, sont pris d'assaut. Cette professionnelle affiche complet. Tous les jours, j'ai des demandes sur le site, internet, par téléphone. Et malheureusement, pour cette saison, ça va être compliqué de répondre à la demande. Ouais. Et l'engouement ne semble pas près de retomber. Les réservations sont déjà bien remplies pour l'été 2021.